C'est bon, là, on m'entend. L'essentiel de mon travail actuel consiste à proposer des prototypes architecturaux, urbains et paysagers pour le futur. Je travaille beaucoup avec l'agence Claire Bailly. Et je vais présenter différents travaux qu'on a fait donc avec l'agence Claire Bailly. Au préalable de mon intervention, j'aimerais à nouveau remercier le Goethe Institut, l'ambassade de France, l'école d'architecture de Bratislava, l'Institut français de Slovaquie pour avoir organisé cette manifestation. Je pense que c'est assez rare qu'on ait des manifestations de ce type-là en Europe. Elles sont un peu plus courantes en Corée, par exemple, donc je pense que ça va dans le bon sens. Et je crois que c'est une très très bonne initiative qui permet de réfléchir à notre avenir, et c'est une belle chose. Je voudrais remercier aussi Mme Miya Hashimoto pour l'organisation, la qualité de son organisation, et qui nous a permis donc de faciliter le travail pour préparer cette conférence. Pour parler de la ville du futur, on peut émettre un certain nombre d'avis qui sont des avis totalement subjectifs. Ce n'est pas un travail scientifique, hein. C'est un certain nombre d'hypothèses. Et pour ma part, j'estime vouloir proposer des hypothèses pour le futur et tenter de vérifier ces hypothèses. Pour travailler sur le futur, on ne travaille malgré tout pas sans filet. On a un certain nombre de points d'ancrage pour essayer de trouver les éléments qui vont nous permettre de produire une ville que nous estimons être authentiquement contemporaine, c'est-à-dire inscrite dans un mouvement général d'évolution des mentalités et des sociétés. Donc on va essayer de se référer à un certain nombre de points particuliers qui sont déjà visibles dans l'histoire ou aujourd'hui pour pouvoir mieux cadrer notre propos et avoir une production donc de projets en architecture, en urbanisme et en paysage qui s'inscrivent dans une logique théorique, disons. Alors, les différents travaux que nous effectuons se font pour partie à l'École supérieure d'art graphique à Paris, dans le pôle Ville du futur, sur lequel je travaille depuis un certain nombre de mois maintenant, à l'École d'architecture de Paris-Lavillette, dans le pôle prospective auquel je participe, au laboratoire EFCO Environnement virtuel en conception architecturale et urbaine à l'École d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et nous travaillons depuis quelques temps avec l'Atelier international du Grand Paris et avec la Cité des sciences à Paris, pour lesquels nous organisons un certain nombre de workshops pour les étudiants sur le thème de la ville du futur. Pour les étudiants, s'il y a des étudiants dans la salle qui passent à Paris au mois de février, on en organise un donc à cette époque-là, au début du mois de février, et une série d'autres dans l'été prochain, en 2013, donc juillet, août 2013. La ville du futur, donc, je disais que ce n'était pas une science exacte et que c'était un mélange de science-fiction, de prospective, de futurisme et d'anticipation. Il s'agit d'un mélange d'inéluctables, c'est-à-dire de choses qu'on est obligé de suivre, comme la raréfaction des sources d'énergie fossiles, par exemple, ou le changement climatique. Et puis, il y a des solutions volontairement choisies, pour lequel il y a une notion de projet qui s'impose, et c'est dans cette logique de volontarisme qu'on essaye d'inscrire nos projets. La finalité d'un projet pour la ville du futur, c'est d'offrir un cadre de vie nouveau, mieux adapté aux nouveaux modes de vie. Et ces modes de vie sont donc ou choisis ou contraints et correspondent à des nouveaux habitants dont la culture a évolué, et nous sommes ces nouveaux habitants dont la culture évolue chaque jour, notamment par le biais des nouvelles technologies. La cité du futur, nous permet d'essayer de proposer des pistes cohérentes par rapport à des objectifs sociétaux, c'est-à-dire qu'on est obligé d'émettre des hypothèses sur la société de demain. Ça, c'est un travail auquel on essaye de réfléchir. Et les objectifs restent à définir collectivement au niveau de nos sociétés. Pour fabriquer nos projets, on va s'inspirer des chercheurs, des travaux, notamment dans les laboratoires de recherche. On a vu aujourd'hui des réflexions remarquables
sur le futur. Et c'est ces choses-là qu'on va essayer d'inscrire dans nos projets d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour les enrichir. Donc il y a une sorte de mélange d'acculturation qui est en train de se produire aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de produire, ce n'est pas des modèles pour faire vivre les gens obligatoirement demain, mais on va essayer de réfléchir en termes de prototype. C'est-à-dire le prototype, ça suppose quelque chose qui est provisoire, qu'on teste. Maintenant, on peut le tester en adéquation avec les futurs utilisateurs éventuellement. Et de cette expérimentation, va sortir un certain nombre de conclusions et on va pouvoir avancer comme ça. On estime essayer de sortir de la manière de travailler de jadis où on proposait des modèles définitifs et qui devaient rester tout le temps. Pour différentes raisons, on verra que c'est plus le cas. On va s'accrocher à plusieurs points. Donc, d'abord, l'histoire des prospectives. On va penser aussi aux sciences et aux techniques avancées d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment les sciences et les techniques aujourd'hui influencent notre démarche de projet et influencent nos projets. On va parler aussi, bien sûr, et on en a parlé beaucoup, de la ville durable et des territoires durables. On va parler aussi de la nécessité de créer de nouvelles utopies contemporaines, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation d'en créer. Et puis, on est aussi dans l'obligation de parler du paradigme contemporain qui est le paradigme complexe, par opposition au paradigme cartésien. On est en train de changer de monde et on est obligé, nous autres concepteurs, de réfléchir à la manière dont ces nouvelles approches vont influencer notre manière de travailler, notre démarche de projet. Alors, pour ces différents points, ces cinq points, donc, on retrouve une opposition très forte sur certains points en France, mais dans pas mal d'autres pays. Sur l'histoire, notamment, il y a une différence d'interprétation. Très souvent, on a un discours dans les milieux de l'aménagement qui est très historiciste et on tire de l'histoire, non pas des mécanismes, mais très souvent, on va tirer des systèmes formels sur la continuité urbaine ou autre. Les sciences et les techniques avancées, on se heurte aujourd'hui à une technophobie assez généralisée, liée au traumatisme moderne, et il y a une très grande réticence à utiliser donc ces techniques et les introduire dans notre quotidien. Elles sont considérées comme quelque part nocives. La ville et les territoires durables sont trop souvent réduits à des approches techniques, c'est-à-dire on a des problèmes techniques à résoudre, d'énergie ou autre, et le durable va nous amener, pour des problèmes de recyclage, à introduire les techniques presque comme telles en milieu urbain, sans se poser la question de l'évolution des dispositifs conceptuels de la ville. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on se heurte. Et puis, il y a les nouvelles utopies qui sont généralement très mal vues. C'est-à-dire que les utopies sont souvent liées à l'idée d'un totalitarisme. Il y a eu énormément d'écrits, surtout depuis les années 60, sur ce thème-là. Et du coup, il y a une réticence très forte. C'est-à-dire, dès qu'on propose l'utopie, on se trouve face à cette alternative. Alors que je crois qu'il y a des utopies aussi dans l'histoire qui ont été remarquables. Le paradigme des sciences de la complexité, c'est pareil dans nos domaines de l'architecture ou de l'urbanisme. On en a entendu parler beaucoup aujourd'hui en creux, mais globalement, dans le domaine de l'aménagement, on entend assez peu parler et c'est presque une inconnue. Hein. Donc il y a aussi la nécessité de développer cette notion. Nous, on essaye de se raccrocher à ces cinq points d'une certaine manière, notamment pour ce qui concerne l'histoire de la prospective. On va aller chercher grands aménagements historiques. Alors là, on voit une image qui s'affiche derrière moi, des exemples qui nous inspirent pour aujourd'hui. Là, ce que vous voyez à gauche avec marqué « production », C'est un jardin expérimental de haute technologie dont l'objectif est de tester de nouvelles manières de faire l'agriculture, d'avoir une agriculture hyper productive. Et tout le dessin de ce jardin a été fait sous Louis XIV au château de Versailles. Et c'était un véritable laboratoire de recherche. Et toute la manière de dessiner ce jardin donc dépend de ces technologies de pointe. Et c'est ce jardin qui a servi en fait de modèle
pour dessiner le Grand Parc de Versailles. C'est-à-dire que le Grand Parc de Versailles, on peut démontrer facilement que ça a été un haut lieu de technologie de l'époque, et l'expression des technologies nouvelles et des sciences nouvelles de l'époque s'est complètement imprégnée dans ce dessin de jardin. On a connu exactement le même processus avec l'architecture moderne. Là, c'est le premier moulin à gauche avec un process automatique. On a découvert avec ça de nouvelles manières d'être plus productif, c'est-à-dire l'industrie a complètement évolué à partir de ces concepts. On a été obligé à un moment donné d'utiliser des nouveaux outils mathématiques pour analyser le mouvement et pour avoir une production améliorée. Et on voit à droite là le nu descendant l'escalier, je crois, de Duchamp, où l'art s'est complètement inspiré des sciences et des techniques pour arriver dans les années 20 à droite à l'architecture moderne. Donc il y a une relation directe dans l'architecture moderne et dans le jardin à la française entre les techniques, les sciences, l'avant-garde, les réflexions équationnelles, mathématiques, et l'art, la création et l'architecture. Et donc c'est ce qu'on va essayer de rechercher, nous, dans notre... ce qu'on va essayer de chercher dans notre époque. Donc nous, ce qu'on va avoir à notre disposition, c'est les sciences et les techniques avancées, avec, on va appeler ça des nouveaux modes d'organisation. Il y a la modélisation, les logiques floues, les réseaux de neurones, le paramétrage, la réitération, l'algorithmie, l'algorithme génétique, les réseaux, les flux, le temps réel, l'adaptativité, la collaborativité, l'hypertextualité, qui sont autant de modes d'organisation inspirants pour la projetation. Et c'est ce qu'on va donc essayer d'introduire dans nos démarches de projet pour les féconder par rapport à notre époque. On va trouver aussi des choses très intéressantes dans le vivant, le biomimétisme, l'écosystémie, la biodiversité, le parasitage, la symbiose, la fractalité naturelle ou la rétroaction, qui sont toutes des nouvelles manières d'envisager l'organisation du vivant et qui vont nous permettre aussi de travailler sur nos projets. La ville durable, je ne vais peut-être pas trop détailler, mais je crois que ce qu'on va pouvoir extraire de la ville nouvelle, c'est de la ville durable, c'est des nouvelles manières d'aborder l'organisation, notamment par la systémie, et c'est un travail par couche qui va nous inspirer sur la manière de travailler le projet. L'analyse aussi, la création de nouvelles utopies, là aussi je pense qu'on a à se poser la question de la manière dont on veut organiser notre futur. Alors on commence par des petits exemples sur des nouvelles cellules. Au lieu d'avoir des cellules pour habiter uniquement, on se pose la question, et là on fait travailler nos étudiants dessus, sur l'habiter-travailler, l'appartement-gîte, l'appartement-restaurant, l'appartement-salle de sport public, l'appartement-colocation, l'appartement-hôpital, travailler, se soigner dans un même lieu, se nourrir, se soigner, habitat, tourisme, etc. Et tous les mélanges, les hybridations qui sont possibles aujourd'hui, qui correspondent à de nouvelles aspirations, qui correspondent des fois déjà à de nouvelles manières de vivre et qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes dans nos sociétés du futur. Donc d'autres modes d'organisation de la manière d'habiter, d'autres manières de proposer des organisations entre les individus, d'autres collectivités, d'autres manières d'aborder le collectif, et les nouveaux modes d'organisation proposés par les nouveaux outils nous permettent d'envisager ces nouvelles formes de société. Alors encore une fois, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. On a dans l'histoire des choses qui sont parties du mathématique et qui sont arrivées au sociétal. Je rappelle que la Révolution française a été un système qui a été proposé par des mathématiciens. La démocratie, une voix, un homme, a été travaillée à partir du concept mathématique. Donc aujourd'hui, on va se poser la question de la manière dont on peut aborder ce problème. Le paradigme des sciences de la complexité, je ne vais pas développer, mais là aussi, on va trouver des outils nouveaux pour pouvoir aller plus loin. On va passer peut-être à quelques projets qu'on a proposés. Je ne sais pas du tout combien il me reste de temps. Non, j'ai encore un tout petit peu de temps. Là aussi, on va peut-être passer sur ces choses-là, sur la modélisation, le paramétrage, pour aller directement dans les projets. L'urbanisme expérimental, là, c'est des travaux qu'on a fait en préparation de projets qui sont travaillés, c'est un système paramétré. Alors, normalement, il y a un petit film qui tourne.
Est-ce qu'il va tourner? Ça, c'est les technologies nouvelles, hein, c'est le secret. Voilà. Donc, un système de paramétrage qui porte sur la volumétrie des bâtiments. Il faut voir ça comme une ville. Il faut voir ça comme une ville en train de se constituer. On met un certain nombre de paramétrages sur la génération des volumes. Lorsque ces volumes rencontrent le terrain en avançant, c'est-à-dire que le système urbain avance, rencontre des éléments, des rues, des arbres, des massifs boisés ou des montagnes, le système évolue. Et on fait travailler en continu avec un logiciel ce système, avec un paramétrage et des algorithmes qui sont préparés, et on a un mode de générescence qui nous permet d'avoir des choses attendues et des choses inattendues. Une fois qu'on a fait une première couche, on regarde un petit peu le travail, on peut rectifier le tir, changer les algorithmes, on fait un deuxième passage et on fait des modifications en fonction de contraintes techniques, urbanistiques, sur l'ensoleillement, sur le rapport entre le voisinage, etc. Ensuite, on introduit des systèmes de retrait de certains éléments urbains, c'est-à-dire on retire des volumes pour faire de l'espace vert, et on retire après des systèmes de rues. C'est-à-dire ça permet de travailler l'urbanisme à la fois de manière informatique et à la fois de manière manuelle, et d'obtenir des choses qui nous étonnent, un petit peu comme une ville qui se met à travailler toute seule. Donc peut-être on peut passer à d'autres images qui sont des stades intermédiaires. Alors voilà des images qui sont générées par ce système-là. C'est un système urbain en train de se mettre en place. Je m'excuse auprès du traducteur, c'est peut-être difficile de suivre. On peut changer aussi les volumes, c'est-à-dire à certains moments, les volumes bâtis se transforment en volumes végétaux, voilà, dedans. Et on peut les densifier ou les rendre plus extensibles. Et la ville, on peut gérer un aboutissement à un stade où on estime que le système urbain nous intéresse, et on va pouvoir soit le travailler à la main, soit le faire comme tel. Voilà, donc c'est ce mode génératif qui va nous servir à faire un certain nombre de projets. On va peut-être passer rapidement au suivant. Alors, peut-être le suivant. Alors, ça, c'est... Voilà, ce mode génératif, on l'a appliqué à certains projets. Ça, c'est des projets qui sont très anciens, hein. 1985, je crois. Voilà, c'est la première maison à construire par un robot. On voit le petit bonhomme à l'intérieur pour voir l'échelle. Hein. Pour donner l'échelle. Donc c'est une maison individuelle. C'est pas bien une maison individuelle parce que ça consomme beaucoup de territoire. Mais voilà une maison qui a été faite. Elle est faite pour être entièrement construite par un robot. C'est-à-dire que le robot arrive sur place. C'est un micro-robot tout petit qui arrive sur un char avec beaucoup de matériaux. Et les matériaux sont des matériaux aussi tout petits, minuscules. Et le matériau monte en place la maison. Une fois qu'il a fini de la monter, il sait exactement où est chaque pièce et il peut venir 2 mois, 3 mois, 1 an après ou 10 ans après, redémonter la maison totalement, remettre tout sur un chariot, il n'y a rien qui est perdu. Et on peut soit remonter une maison différente au même endroit, soit emmener un petit peu plus loin pour monter une autre maison. Donc il y a ce système qui permet la construction. Il y a à l'intérieur un système entièrement domotisé, de la high-tech domotique. Le bâtiment sert d'interface entre le milieu intérieur, l'habitant, et le milieu extérieur. C'est-à-dire que le bâtiment est en permanence, il est auto-organisé à la manière d'un être vivant, et il est en permanence en train de s'ouvrir, de se fermer, suivant les captages, suivant le vent, suivant la température, etc. Donc il fait de l'intersaisonnier, ce dont on a parlé ce matin, la maison le fait entièrement automatiquement. En plus, la maison, qui a un système de capteurs, mémorise entièrement tout ce qui se passe dans la maison. Chaque fois que les habitants rectifient quelque chose, c'est noté, et il optimise l'utilisation. C'est-à-dire, il y a un confort qui se formate,
qui s'inscrit dans la logique de la vie des gens à l'intérieur de cet espace-là. Et quand la personne part de ce lieu, elle peut repartir avec une énorme clé USB, un micro-ordinateur, dans lequel il y a l'ensemble de la vie de ses paramètres, ou une partie de ses paramètres, qu'elle va pouvoir emmener dans notre maison. C'est une sorte d'âme numérique qui est transportable d'une maison à l'autre. Donc il y a une interface, il y a une adaptativité du bâtiment à l'individu. C'est-à-dire, c'est plus le bâtiment qui est contraint de s'adapter à une architecture moderne, mais c'est l'architecture qui s'adapte en temps réel aux besoins de l'humain. Et il faut voir dans cet espace de la maison une sorte de micro-ville, l'objectif étant de reproduire ce système au niveau urbain où la ville pourrait s'adapter en temps réel aux besoins humains. Donc, d'un point de vue climatique, d'un point de vue énergétique, etc. On va repasser à un autre petit projet, qui est le projet de jardin. Donc, c'est un peu le même principe. Il faut voir ici, un peu comme le jardin de Versailles, le potager du roi, un laboratoire expérimental pour l'agriculture du futur. Et c'est un petit jardin qui a été fait pour être construit à la Villette. On n'a pas pu avoir le budget, il n'a pas été fait. Mais c'est un micro-robot aussi qui fait entièrement l'entretien du jardin. C'est un jardin spectacle, les gens regardent le robot interagit avec les gens. Il peut ramasser une cigarette, enlever un papier, disputer un spectateur qui a lancé quelque chose. Il va tondre la pelouse, il va couper les arbres, changer les lumières, etc. Et donc, c'est un micro-territoire qui peut inspirer sur une agriculture du futur, travaillée par des robots, des micro-robots qui travaillent de manière mécanique, qui vont avoir aucun rejet de CO2, qui peut avoir une agriculture totalement biologique, pas forcément manuelle humaine, mais qui interroge donc sur d'autres manières d'aborder les soins de la planète et l'agriculture sur la planète. Je crois qu'on me fait des signes comme quoi j'arrive à mon timing. Bon, juste peut-être quelques images. On a appliqué ça dans différents workshops ou dans différents concours internationaux. Là, c'est un workshop qui a été fait pour l'Atelier international du Grand Paris, où les étudiants ont eu à travailler sur une société de 2000 habitants qui prenait en charge un morceau urbain avec les technologies nouvelles et qui essayait de vivre différemment par rapport au recyclage, par rapport au développement durable et par rapport à l'organisation sociale, notamment par la mutualisation et par la solidarité entre les gens. C'était un peu le deal, on donne un espace urbain aux gens à gérer, mais en contrepartie, ils doivent assurer certaines choses par rapport à leurs citoyens. Voilà encore d'autres projets des étudiants. Encore d'autres projets où on a appliqué ce système-là dans la banlieue parisienne. Voilà encore des différents projets. Ça, c'est un projet qui a été fait pour la capitale du Sud, de Corée du Sud, dans lequel il y avait une écriture urbaine qui était faite avec un mode génératif et il y a un centre urbain qui est complètement écologique et abandonné. On n'a pas le droit d'y aller, c'est un lieu sain. Il y a 3000 hectares de campagne abandonnée qui devient en forêt, qu'on laisse évoluer à son gré. Ensuite, peut-être d'autres choses, très rapidement. Un concours aussi international sur Magog, qu'on avait proposé sur une ville à très haute densité. On travaille beaucoup sur la très haute densité, hein, puisque, comme vous le savez, les terres agricoles vont commencer à manquer dans peu de temps, et on est obligé de se poser la question de la manière dont on va utiliser moins. Et la seule manière, si on veut avoir suffisamment de terre pour se nourrir, ben c'est de construire un petit peu en hauteur et de densifier. Donc on va avoir ces problèmes à régler. On essaie de les régler par les technologies nouvelles et se poser la question de savoir comment on peut vivre aussi bien en milieu dense par les technologies nouvelles. Ça, c'est le concours international de Saclay sur lequel on a eu une mention spéciale. C'est des villages qui sont paramétrés aussi, qui sont générés de manière informatique, et chaque village entoure une vaste plaine de 2000 hectares où il y a une agriculture justement robotisée, entièrement automatique, hein, mais où les gens peuvent participer, avoir des jardins familiaux, etc. Bon, ça, c'est des détails. On va en passer sur d'autres images. Voilà, des détails de cette ville. Aussi, c'est des systèmes biologiques, épuration de l'eau par les biologies, et le tout assisté par ordinateur. Là aussi, des villages, voilà, des villages. Ça, c'est un mode génératif, un village qui a été généré par système paramétrique et algorithmique qu'on a laissé tourner très longtemps pour arriver à cette espèce
de système. Et puis, là aussi, une ville dense sur laquelle on a été. C'est un concours qui a été primé à Barcelone, un concours international. On ne va pas descendre dans les détails, c'était des recyclages courts. Voilà. Et là, c'est un autre concours là, qui a été exposé à New York, sur lequel on avait répondu. Et là, on a travaillé avec des cellules entièrement autonomes qui recyclaient automatiquement tous les déchets. Chaque cellule recycle ses déchets, travaille avec de la robotique et dans une partie sous la maison, enfin sous la cellule. Et on a de la lombriculture, tous les éléments les plus high-tech, mais avec du biologique et une interface entre une agriculture extérieure à la périphérie des bâtiments et les cellules. On voit un petit peu les petits robots qui travaillent à l'intérieur sous la cellule et qui font la navette entre les espaces extérieurs pour justement faire les recyclages. Voilà, je pense qu'on peut... voilà. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur chaque projet, mais le temps manque. Désolé. Là aussi, encore un autre projet.